7 février, ferme confiance, c'est à un jour, même Jean avec tout l'autre jour. C'est vrai, il y a une alliance qui fait, alliance ça, il y a la dernière chef gang, il y a un machin de drogue, il y a un politicien qui a cherché pouvoir dans toutes conditions, politicien qui a joué mesdames, ou les débats, mais alliance ça, pas pour aucun côté. Alliance ça pas porter aucun résultat politique. Alliance ça capable permettre de voir quelques roches dans le pays, de capable faire quelques désordres en plus. Mais alliance ça pas bail aucun résultat politique, il pas aller aucun côté. Il y a deux bagailles qui important aujourd'hui. Et moi souhaiter tout peuple haïtien comprendre ça. Aujourd'hui Jean SDP était toujours à deal depuis le commencement. C'est dans le dialogue, dans la concertation, dans le parler entre nous pour nous joindre comment pour nous sortir de la crise politique. Le dialogue politique, il faut continuer dans les acteurs politiques, dans la société civile. Le dialogue politique, là, c'est lui-même qui vous permet. Pour nous joindre une façon pour nous monter un gouvernement unité nationale. Dialogue politique là doit permettre de nous monter un conseil électoral crédible que tout le monde fait confiance. Dialogue politique là doit permettre que nous créer conditions pour nous faire révision constitution et que nous mène un pays à dans une élection pour peuple là capable choisir qui monde qui pouvait diriger. C'est ça le débat politique là. Parole monde qui a lancé mouvement comme si m'ta dit au bon pouvoir on va le prendre et cetera, bon pouvoir, bon problème, mais ça c'est blague. 7 février à un jour même gens à tout l'autre jour. Et comme si nous voulons. Deuxième bagaille qui est important après causer dialogue là, c'est causer sécurité. Je dis à peuple haïtien, le plus gros problème, c'est le problème de sécurité. Kidnapping, cap valé terrain. Mon Matissan, Fontamara, mon La Plaine, mon Tossel, mon Cafoufeuille, tout le monde qui quitte Kayo, il a besoin de sécurité. Et c'est ça que fait nous-mêmes. Nous pas envoyé Wash caché, mais nous en bataille pour gagner une force internationale qui pour venir dans le pays. Pour venir aider la police craser gang. C'est ça que peuple haïtien a besoin. C'est dans la bataille ça SDP. Moun qui pas vle force internationale là, venir dans pays là, c'est moun qui gagne d'autres intérêts. Moun qui supporte gang en bas, moun qui gagne intérêt pour pays a toujours été dans des ordres, mais nous même dans SDP nous pas supporter aucun gang. Nous pas dans passe pour qui pour gang. Nous toujours dit pays a pas sorti dans sa lié là si par une force internationale qui venait pour aider nous craser toute gang qui gagne dans pays là. Faut que nous profiter de présence force internationale ça pour nous mettre sécurité dans pays là. Pour monde qui gagne business yo qui ferme relouvrir business yo. Pour touristes yo retourner dans pays là. Faut que nous profitions de force internationale ça pour nous faire élection dans le pays, pour nous faire révision constitution. Faut nous profiter de présence force internationale là pour nous construire des forces de sécurité nationale tant que l'armée, tant que la police. Pour nous pas jamais tourner dans l'orbeille ça encore. Nous même nous avons un débat qui est constructif. Pays a besoin de la paix, pays a besoin de dialogue, pays a besoin d'entente. Et c'est ça la bataille du SDP. Nous allons rentrer dans cause des monde qui pensait bon bagage qui va le passer dans le pays à 7 février. Monde ça aussi rêver à rêver en technique couleur. C'est blague ya bail. Pas rien qui a passé 7 février à puis un jour même genre tout l'autre jour. Mais il y a deux bagages qui est important. Dialogue politique là pour nous joindre en tête pour dans l'élection pour peuple a choisir qui est-ce qui pour venir diriger pays. Deuxièmement, sécurité. Et Jean SDP toujours dit, nous ne sommes pas capables de sortir en bas de gang si pas une force internationale
qui pour venir aider la police craser gang dans le pays d'Haïti. Et nous même dans SDP n'ont pas supporté gang. Et ça fait la bataille pour force internationale à venir. Politiciens qui supporté gang en bas, yo prend pose ces patriotes yo, yo pas les forces venir parce que c'est gang qui a supporté. SDP pas n'a supporté gang, même j'appelle pas ici en tant de force internationale. Bon, moi pas gagné aucune inquiétude. Son date qui c'est 7 février. 7 février, ferme confiance. C'est à un jour, même gens avec tout l'autre jour. C'est vrai, il y a une alliance qui fait. Alliance ça gagne la dernière chef gang. Il gagne machin drogue. Il gagne politicien qui a cherché pouvoir dans toutes conditions. Politicien qui a joué jouette mettre dame. Ou les mêmes débats, mais alliance ça pas pour aucun côté. Alliance ça pas porter aucun résultat politique. Alliance ça capable permettre de voir quelques roches dans le pays, de capable faire quelques désordres en plus. Mais alliance ça pas bail aucun résultat politique et pas pour aller aucun côté. Il y a deux bagailles qui important aujourd'hui. Et moi souhaiter tout peuple haïtien comprendre ça. Je vous dis, Jean SDP était toujours Abdil depuis le commencement. C'est dans le dialogue, dans la concertation, dans le parler entre nous pour nous joindre comment pour nous sortir de la crise politique. Ça veut dire ça. C'est pas que nous pas dans Guy Philippe ni nous dans Guy Philippe. Guy Philippe, son citoyen d'un pays, il prend position. Nous-mêmes, tous, nous sommes des citoyens d'un pays, nous prenons position. Vu à ce qui a passé dans le pays. Sauf que tout le monde qui arrive à camper pour arriver à déchouquer, salope qui est arrière en rien, pour arriver à déboulonner, massacre, ça, yo, la fait dans le pays. Depuis son monde qui pose en pierre contre Massac Sayo, contre Ariel Henry Salop, n'a pas marché. Guy Philippe a fait affaire pâle, KRKP a fait affaire pâle, sauf que depuis ce monde qui a fait, qui a battu batterie, même Jacques nous, n'a frappé. Quel est-ce que vous estimez que Guy Philippe parle à l'autre? Là, vous considérez 2004 qui se passait là, ça a été fait pour la position. Tout le monde, vous vivez ça qui est passé en 2004. Et vu à ça qui est passé en 2004, si Guy Philippe prend position, si la justice estimait que Guy Philippe n'a pas de droit ça, il y a pas position contre lui. Si vous estimez qu'il y a droit ça, il y a pas position contre lui. Mais ce n'est pas KRKP qui doit prendre position contre Guy Philippe. Guy Philippe a fait affaire balle, KRKP a fait affaire balle. Quelle position nous de BESAP? BESAP, c'est une institution dans le pays, même j'ai toute institution. Je dis à là, nous, Ariel Henry, lui prend position contre BESAP. Nous, par contre, pour qui raison? À part pour qui raison? Sauf que, dans la démarche Ariel Henry, nous-mêmes, nous ne pouvons pas rentrer là. Nous ne pouvons pas rentrer là que BESAP gère position et KRKP a géré position. Sauf que, pour éviter toute bille de sang qui a fait dans le pays, que nous déchouquer Ariel, que Ariel Henry a allé. Si on ne va pas au sérieux, et capable de faire ça, puisque c'est pas un président. Sauti et capable d'arrêter ça et position. Arrêtez à nous connaît monsieur, c'est président qui doit ça. Comme Ariel Henry, le président à la fois premier ministre, c'est ça le bail tête li. Le bon décret, nous ne pouvons pas ce qui s'est. Si c'est la loi qui doit ça, s'il va pas doit ça. Sauf que l'avenir a jugé Ariel Henry sous position ça. Merci beaucoup. Arrêtez
Ariel Henry et acolyte Lio qui prend pays en otage depuis plus de 30 mois. Kapesam, qui constitue tête comme vraie opposition en face du pouvoir criminel sanguinaire, eh bien, je dis, nous dit population en dedans, tant que d'ailleurs, c'est soulèvement général. Soulèvement général pour que nous jouions liberté à bien-être. Soulèvement général pour nous jouions stabilité. Soulèvement général pour que nous nous yo à l'école. Soulèvement général pour que ce pas une catégorie moun qui à l'école dans le pays. Moun qui la saline, moun qui se cite soleil, moun qui font tamara, moun qui kafoufeuille, yon pa ka à l'école. Soulèvement général pour nous dire non contre ingérence de la communauté internationale. Jodi a kapé sa vraie responsabilité pour lancer soulèvement général dans quatre coins pays a par rapport avec complot national et international qui plane sous tête pays a depuis des décennies. Jodi a bataille là son bataille contre l'impérialisme américain, contre l'impérialisme Canada, contre l'impérialisme français. Jodian, si Ariel Henry met le pays dans une situation invivable, c'est parce que il gagne américain des dollars, c'est parce qu'il gagne canadien ou des dollars, c'est parce qu'il gagne français ou des dollars. Et moun sa yo c'est ennemi peuple là, c'est ennemi nation, c'est ennemi ancêtre nous yo. Même Jean ancêtre nous yo te fait. Nous pas dans question mobilisation, manifestation pacifique. Nous dans soulèvement général, peuple là doit utiliser tout ça le gagner comme moyen pour délibérer tête li. Sans cette nous yo pas dans ces collés avec blanc yo. Sans cette nous yo pas dans mobilisation pacifique. Il a fait violence sur nous. Il a kidnappé nous, il a violé nous. Il a tout pisé nous et puis il a demandé nous pour faire mobilisation pacifique. Nous pas dans mobilisation pacifique, nous dans soulèvement général. Qui s'allient soulèvement général, soulèvement général, soulèvement général. Il va aussi le camper. Levez camper, levez camper. Capoter Ariel Henry. Et nous dire clairement, place Ariel Henry. C'est dans la pénitentiaire nationale. Tais-toi. C'est pour ça. Kapé Sam de prendre responsabilité devant la vérité, devant l'histoire, devant le peuple haïtien. Et devant la communauté internationale crédible. Pour nous porter plainte. Dans le paquet pour le prince, devant le commissaire Elder Guillaume. Eh bien, là nous arrivons dans le paquet pour le prince, nous étonnés. Nous ébahis, nous sidérés. Nous avons gagné un ensemble de Tibobo, Toto Makou, qui campait, qui vient dire espace paquet. La loi, la justice dit son espace public. Qui dit toute audience dans le tribunal, la loi publique. Eh bien, un Tibobo qui campait dit la presse n'a pas droit de pénétrer espace paquet de Port-au-Prince. Avocat citoyen va nous faire déclaration sur la coupe à paquet de Port-au-Prince. Eh bien, nous-mêmes, dans Kapé Sam, nous te dit avec Kapé Sam, bagaille ça n'a pas passé. Et c'est ça que nous te dit, mais si Bobo a venu nous en face, en fonction de qui droit, en fonction de quelle disposition constitutionnelle légale, les bails ont telle déclaration. Et nous te dit, agent sécurité, nous n'avons pas gagné. Assez de capacité pour vous comprendre. Nous disons leur obéir avec un ordre qui est manifestement illégal. C'est responsabilité personnelle ou l'y engager. Eh bien, quelqu'un qui était ramené à la raison, fait le patron dans Attrape Mingo, parce que nous-mêmes, nous devons poursuivre pour obstruction à la justice. Mais ça plus grave là, là nous arrivons dans le greffe, pas qu'il n'y ait pas au prince. Employé levé courri, yo tombé, yo levé courri encore comme si nous avions une mitraillette dans nous. Cependant, deux ailes papiers dans nous, mes ailes papiers ça très significatif
parce que y a gagné des chefs d'infraction là-dedans qui puissants. Les ont poursuivi au monde pour usurpation des titres et des fonctions. Les ont poursuivi au monde pour assassinat, tentative d'assassinat avec commencement d'exécution. Les ont poursuivi au monde pour non assistance à personne en danger. Et c'est ça le gouvernement ça a soi-disant ça a le fait. Les ont poursuivi au monde pour génocide qui c'est un crime qui est prescriptible, pas de prescription pour ça. Ariel Henry te mette fait 100 ans encore, n'a poursuivi devant la justice. Si nous ne pouvons pas prendre sur le plan national, nous prenons sur le plan international. Donc, c'était ça yo, comme chef d'accusation qui dénonce Blessard. Malheureusement, Ariel Henry passé commissaire de la loi pour ne pas recevoir le plan. Eh bien, nous avons utilisé la voix du ciel. Il y a un officier ministériel assermenté qui a gagné plein de ça en même, qui peut-il à déposer devant le bureau commissaire, devant le commissaire en face. Eh bien, nous féliciter l'huissier Azig. Gagne le courage. Oui. Gagne le courage qui t'a signifié commissaire. Eh bien, à notre grand étonnement, commissaire Edley Guillaume fait appel avec des brigands armés, eh bien, vient prendre l'huissier des forces et demander pour arrêter. Si ce n'est pas solidarité qui exprime à l'égard de l'huissier, je dis à l'étape dans la prison sur l'autre commissaire Guillaume par le fait que l'étape signifie une plainte. Et même Gambio, la signifie une plainte. Eh bien, ici, à son lycée professionnel, très intelligent, eh bien, le placard des plein plan dans le poste principal, bureau commissaire. Le placard dans tout tribunal là. Et il fait mention des menaces de mort avec commencement d'exécution, il subit dans le même commissaire Jean Guillaume. Et Bois comportement ça. Comportement commissaire ça a. C'est un comportement la loi qualifié très bien. Et pas pour quel lieu, non? Il dit, c'est déni de justice. C'est pas vrai, maître Frédéric. Là, il y a une autorité, il y a porté plainte devant, ou refusé recevoir plainte ça. Eh bien, la loi dit ou fait, il y a une infraction prélée déni de justice. Et nous allons poursuivre commissaire Edley Guillaume par le fait que il n'est pas fait suivi par rapport avec une plainte qui est déposée. Au lieu de faire suivi, il fait menace de mort avec commencement d'exécution, intimidation. Et donc, nous-mêmes, là nous on a déposé plainte là. C'est pas imbécile ou imbécile, non? Gang, c'est parce que nous connaissons la loi. C'est parce que nous avons besoin de mettre la justice haïtienne, autorité judiciaire, devant un fait accompli. Pour nous, ouais, est-ce que c'est justice à faire? Est-ce que son justice est partielle à faire? C'est une justice sans force côté qu'a fait. Et puis, là, il n'y a pas agi. Eh bien, pour nous-mêmes, pour nous agir conscient. Eh bien, désormais, KPSAM, c'est vraie opposition qui poursuivre tout volet. Tout assassin, tout dilapidateur, tout criminel qui nous fait des choses. Guillaume, c'est gang lié. Ensemble avec Ariel. À partir de jeudi, KPSAM lancé soulèvement général. Soulèvement général. Soulèvement général. Nous laissons les soins. Alors, maintenant, enfin, vous parlez de soulèvement général, puisque nous avons une majorité 4 CEO, nous avons un chef qui a dirigé, qui forme nous pas utiliser pour nous faire mon ça sortir dans la rue, venir revendiquer ça qui revient de droit. Même formule, les ancêtres nous ont utilisé, nous ont réduit en esclavage. Ils ont pris des armes dans mes colons. Ils ont utilisé tous les moyens possibles et imaginables. Ils ont libéré des têtes. Eh bien, même formule ça, c'est formule ça pour le peuple à utiliser. Les jours où le peuple a campé, pas de un yik qui a campé devant. Vox populi, vox dei. Vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu.
à partir de jeudi. Les libres la prophétie, les lits scientifiques, les mystiques. Et jeudi, nous-mêmes dans le Cap Sam, depuis après 19 décembre 2023, côté que ici là, dans le bureau ça, nous devons annoncer mois de janvier qui n'a pas été plein contre Ariel Henry et nous demander soulèvement général dans le pays. Et bien depuis l'époque ça, même Cap Sam a subi gros persécution. Sous plusieurs numéros de téléphone, sous plusieurs appels et sous plusieurs menaces. Parmi là-dedans, il y a numéro 38 41 46 46. Il y a numéro 31 61 97 76. Il y a numéro 38 70 48 48. Numéro ça yo pouvoir utiliser yo pour bonne pression. Et c'est si gros menace qui fait sous vie nous, sous vie coordonnateur camarade Enso, sous vie et camarade Enso et sous vie avec souvi tout monde capé sa mio. Et ce qui s'allie camarade Enso pendant que sont dans émission dans radio a dans radio dans radio c'est dans radio te gen un groupe individu qui s'est né sous moto yo te 6 comme ça yo t'a suivi c'est avec vigilance et avec presse et avec nous capable dire avec la nature mon Dieu qui te protège lui qui permet lui évacuer des moments ça c'est pas ça on t'a assassiné. Et hier jeudi encore, pendant que Météo fait depuis déposer plainte, il y a une machine qui est un Vitara. Un Vitara qui t'a suivi Météo fait pour l'assassiner. Gang Ariel Divoil et gang là. Et moi, recevoir des menaces, qui a dit nous-mêmes qui a parlé, il y a de nous, sous pile fatra. La quête en nous, le roi l'aime. Ça n'a pas qu'à intimider nous. Parce que nous 10 semaines ça sont sous l'air, sont semaines sous l'air. Sous l'air. Et nous même qui là, nous camper, nous faire toute bataille déjà. Et nous disons que c'est quel monde qui vient piquer dans la bataille à faire, une façon pour venir changer ligne bataille là. Parce que bataille à faire là, c'est pour nous gagner une transition pour les fâcher. Eh bien, nous allons accepter qu'un nègre qui a venu entrer pour nous faire une grosse bataille à Bolotio et puis pour nous craser une bataille populaire. Et bataille populaire, ni de mise, et nous ne pouvons pas accepter les primatiques, les lotteries nationales, les André Michel, les Majorie Michel, penser que les capables de camper en face de la bataille qui va le faire dans ces mêmes cabinets là. C'est peut-être ça nous dit, tout haïtien, dans n'importe quel côté, comment se préparer. Filez mon chèque nous, commencez à préparer nous, préparez tout ça pour nous faire, et c'est ça qui fait tout. Nous connaissons tout le monde qui a persécuté nous. Nous avons fixé déjà. Nous ne pouvons pas citer nous, mais nous connaissons qui est institution. Dans notre doctrine nationale. Donc, ça qui est dans notre nationale. Et puis, et ça qui est dans dignité. Dignité, nous connaissons, peuple à nous, peuple à Congo de vous la chercher, parce que c'est eux-mêmes qui ont institué le peuple là pour dire. Cap voye comme dans le quartier populaire, pour mettre comme dans mes bandits, pour faire parler de la gagne. C'est ça qui fait, nous dit, à partir du moment où on a parlé à la soulèvement. Chef gang! Merci. Alors.